Satan jubile quand il peut entraîner les chrétiens à l'incrédulité et au découragement. Il est heureux quand il voit que nous manquons de confiance en Dieu et que nous doutons de son désir, de sa capacité de nous sauver. Il aime à nous faire croire que les dispensations divines nous porteront préjudice. C'est l'œuvre de Satan de nous représenter le Seigneur comme dénué de miséricorde et de compassion. Il dénature les faits et remplit les imaginations de notions erronées au sujet de Dieu. Et nous, nous nous arrêtons trop souvent aux caricatures de Satan au lieu de chercher à connaître le vrai caractère de notre Père, que nous déshonorons par notre manque de confiance et nos murmures. Satan s'efforce toujours de représenter la piété sous un jour sombre. Il désire faire paraître la religion pénible et fastidieuse. Ainsi, quand le chrétien présente le christianisme sous ce faux jour, son incrédulité confirme le mensonge de Satan. Bon nombre de personnes foulent le sentier de la vie, le regard tourné vers leur erreur, leur faute et leur désappointement, le cœur abreuvé de tristesse et de découragement. Lorsque nous parcourons le jardin magnifique où nous nous trouvons, nous ne nous occupons pas des épines qui ne feront que nous blesser. Cueillons les roses, les lys et les œillets,